Abonne-toi et active la cloche. Coucou! Alors, bah écoutez, vous allez voir, bon là, je suis en plein chambardement. Pourquoi? Parce que je vais ranger. Alors, je vous montre avant. Il y en a marre. Je vous montre avant et je vais vous montrer après. D'accord? Je suis en train de vider tous les tiroirs. Je peux pas vous filmer parce que ça va être trop long. Mais j'avais déjà fait et puis je l'ai jamais mis en fait. Donc ouais, j'ai fait une vidéo que j'ai fait 8 heures et je l'ai jamais mis. Je vous la mettrai peut-être un jour. Voilà, en tout cas, voilà, tout le bordel. J'ai trié plein d'affaires que je ne voulais plus, que je devais vendre. Et en fait, je m'aperçois que qu'est-ce que je vais aller vendre des vêtements alors que cette jupe, elle est magnifique, quoi. Je l'avais achetée à CA, je sais plus quoi. C'est une quoi? Je sais même plus ce que c'est. Non, c'est Armand Thierry. Voilà. Non, celle-là, je l'avais achetée. Je sais plus, je l'avais achetée par Armand Thierry, peut-être. Voilà. Elle est trop jolie. Et franchement, bah, je me débarrasse de plein de trucs et du coup, je reprends tout. Voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin d'acheter d'affaires cette année. Allez. Donc, je vous remontre, hein, parce que là, en fait, je suis obligée de jongler avec tous ces tiroirs-là. Ici. Ça, c'est mes conserves. Ça, c'est. Alors, ça, j'ai eu de la chance inouïe. Mais ça, je vais ranger, hein, parce que voilà, hier, voilà, mais en général, c'est bien rangé. Sauf que hier, j'ai reçu des croquettes. Je vous expliquerai pourquoi, si j'oublie pas. Voilà. Il faut savoir que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tout ça à ranger. Voilà. Et en même temps, jongler avec là. Jongler avec la chambre. Là, vous voyez, j'ai retrouvé plein de choses que je ne voulais plus. Donc, je mets tout par terre. Tout est propre. Et puis là, jongler avec ça. Et jongler avec les tiroirs qui sont là. Voilà. Voilà. C'est un travail de titan. Là, je vais vous montrer, mais franchement, là, ça va à peu près, quoi. Voilà. C'est pas le truc. Voilà. C'est là, ici. Je pourrais jongler avec cela, mais c'est toute ma peinture dedans. Donc, je peux pas. Voilà. Et encore, regardez, j'ai toute ma peinture qui est là. Et là, j'ai mis dernièrement des petits trucs que je vais enlever. Donc, j'en ai pour une journée. Ouais, j'en ai pour une journée pour tout ranger. Ça, faut que je le trie aussi, faut que je le range. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais ranger, mais je vous montrerai après. Voilà, comment vous dire que Ivy, elle est perdue là-dedans. Elle déteste quand je fais du ménage comme ça, du rangement. Et je le faisais régulièrement, là, parce que j'étais un peu malade. Mais là, je suis pas bien, mais je le fais quand même parce qu'il faut le faire. Voilà. Regardez tous les tiroirs. Voilà, tout ça c'est vide, tout ça c'est là. Bref, j'en ai pour 10 ans. Ah, je vous montre. Et la télé en même temps. Voilà. Mais j'ai déjà rangé pas mal là. Du coup, là, je commence à ranger aussi. Ça devient presque 3 heures que je range. Oh, c'est pas vrai, je disais, c'est quoi cette bosse? C'est Ivy, elle est passée sous. Voilà, regardez, j'ai tout changé. Regardez, Ivy, elle est sous le truc. Regardez, elle est là. Franchement, elle exagère. Hein. Bon, je vous montre. Voilà, alors j'ai rangé les pulls. Alors, il faut savoir que moi, j'ai mis l'ensemble. J'ai mis le pull avec le pantalon. Là, j'ai mis le pull vert avec soit le pull pantalon vert ou soit le pantalon kaki. Là, j'ai mis le pantalon, le pull avec un pantalon noir. Je vous montre, hein, comment j'ai fonctionné. Là, c'est que les jeans. Alors là, il n'y a que des jeans. Et une salopette. Ça, c'est une grosse salopette en jean. Voilà. Ici, alors, c'est les jupes avec les collants, avec des t-shirts. Là, vous avez un caleçon noir. C'est pour aller soit avec la jupe là, ou soit avec ce petit haut-là, ou soit avec ce petit pull-là. Voilà. Ensuite. Là, j'ai pas fait encore. Hein. Faut que je fasse. J'ai pas fait. Là, j'ai pas fait encore. Faut que je fasse. Mais par contre, j'ai rangé là. Voilà, il reste plus que ça. Le plus important, c'est de ranger. Là, vous avez les pulls qui vont effectivement avec la tenue. Alors, là, c'est voilà. Alors, là, vous avez le pull rose. Je vous montre, hein, qui va avec ce pantalon. Voilà, là vous avez le pull rose qui va avec un caleçon noir. Là vous avez, alors c'est un pull rouge à l'intérieur avec une robe noire. Là vous avez toute la tenue complète avec le caleçon. Voilà, et après c'est en général c'est mis avec des caleçons. Hein. Enfin des caleçons, des leggings. Et fashion faux pas, je trouve pas parce que c'est bien pratique. Là, pareil, alors là vous avez
trois pulls avec un pantalon. Il faudra que je vois. Ça, je l'ai acheté à Emmaüs il n'y a pas longtemps. Voilà, là, vous avez la tenue avec le caleçon, là, pareil. Et là, vous avez les petits t-shirts. Là, c'est pas la peine parce que j'ai pas trié. En fait, il faut que je trie encore. Mais quand on est fatigué, bah après, on laisse un peu tomber. Voilà, donc il faut que je trie. Et maintenant, je vais continuer. Du coup, je vais ranger là. Je vais mettre mon dessous. En plus, je me suis assise là. J'ai failli m'asseoir là. Non, mais elle est incroyable. Et du coup, normalement, je dois m'asseoir là parce que je dois ranger là. Voilà, là, maintenant, je vais ranger là. Voilà. Et puis, j'ai ça à ranger. Ça, c'est des couvertures. Ça, c'est un peignoir qu'il faut que je mette dans la. J'ai tout rangé, j'ai tout vidé. Hein. Ça, par contre, bah, je ne vous le conseille pas. L'autre fois dans la nuit, ça, je l'ai acheté à Action. L'autre fois dans la nuit, ça a fait de l'électricité statique. J'ai eu une étincelle, j'ai cru que j'allais prendre feu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une étincelle, mais haute comme ça. Oh, j'ai eu peur. Hein. C'est statique, mais j'ai eu peur. Hein. Donc, du coup, j'ai laissé tomber, je ne l'utiliserai plus. Je vais la donner. Mais c'est trop statique, hein. Donc moi, celle-là, elle n'est pas trop statique en fait, ça va. Mais ça, c'est pas possible. Voilà. Donc je continue. Voilà, je continue. Je vous remontre après. Mon petit bout de. Alors j'ai commencé à 8h30. Il est 13h40. D'ailleurs, ils vont annoncer le confinement, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de confinement. Bon, je vous montre. Voilà, j'ai rangé un peu là. Là, j'ai retrouvé des sacs, vous vous rendez compte? Non, mais attendez, mais j'ai retrouvé plein de choses, hein. Là, c'est vide, mais c'est parce que c'est voulu. Là aussi, c'est vide. Parce que c'est pour Ivy. Voilà, là, c'est l'arbre à chat à Ivy. Ici, là, ce qui était le bordel tout à l'heure, c'est rangé. Ivy est là. Voilà. Là, c'est rangé. Et là, vous avez. Ben voilà. Vous avez la chambre. D'ailleurs. Oh. Vous avez la chambre. Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai tout fait à fond parce qu'il y a mon fils qui vient demain. Voilà. Alors ensuite. J'ai encore tout ça. Ben, j'ai fini. Hein. Je sais pas si je vous avais montré, je m'en rappelle pas. Hein. Faut que je vous montre. Hein. Bon, déjà là, il y a encore du bordel, mais il va plus y en avoir. J'ai rangé, j'ai organisé. Alors, faut savoir que ça coûte une blinde, mais que j'ai eu la chance parce que j'ai eu deux paquets comme ça, tout petits, à 7 euros le paquet, un tout petit paquet, qui était périmé. Et du coup, ils m'en ont donné. Mais alors, ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça. J'ai eu tout ça en cadeau. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. Voilà. En fait, moi, j'achète depuis toute petite, vous voyez. Puis ça, c'est la nourriture et il y a le manchat. En fait, comment vous expliquer? C'est que depuis toute petite, le vétérinaire m'a dit il faut au moins 40% de protéines dans les croquettes. Donc, voilà. Moi, je prends 40% de protéines. Là, vous avez mes conserves. Voilà. Et ça, c'est un sac énorme pour Mamie Corinne. Ceux qui connaissent pas Mamie Corinne, abonnez-vous. Il y a plein de choses pour elle, mais depuis le confinement, de mars, ben, l'année dernière, eh bien, je peux, 2020, ben, je peux pas, j'ai pas pu lui emmener. Voilà. Et moi, j'adore les petites boîtes comme ça. Voilà. Et là, il y a des Smarties. Donc là, maintenant, ben, je vais ranger. Je vais ranger, ben, la cuisine, ça va, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. J'ai retrouvé ce sac-là, un truc de fou, hein. J'ai retrouvé, ah, ça c'est mon sac poubelle, j'ai retrouvé ça. Non mais j'ai retrouvé des trucs, mais tout, pas tout neuf, mais presque. Des bijoux, regardez les bijoux, ce que j'ai retrouvé. Mais j'ai halluciné pour les bijoux. Non mais regardez ça. Et j'en ai, mais j'en ai plein, plein, plein. Ah, j'ai retrouvé tout ça, parce que je me rappelle, c'est une amie, elle m'avait dit. Sybille, est-ce que ça te dit d'avoir des bijoux? Ouais, je lui dis ouais, et elle m'en avait amené une tonne. Voilà, ben écoutez, je vais finir. Alors je vous montre, hein, mais je crois que je vous avais montré. Hein. Voilà, ici c'est mes pyjamas. Je sais pas si je vous avais montré. Ici c'est mes pulls et mes robes. Ici c'est mes sous-pulls pour aller en dessous mes robes ou caleçon et soutien-gorge et ceinture. Ensuite, je vous montre, j'aurais dû vous montrer quand c'était complètement fini. Voilà, les soutiens-gorge, la minerve que je cherchais partout. Ça, je vous l'ai montré, je sais pas, je ne me rappelle pas. C'est une petite bourse, mais je l'ai mis à l'envers. Et puis, des gants, des chaussettes. Voilà, j'ai toujours des chaussettes neuves. Parce que je les perds. Les pulls, hein, tout pull, tout affaire. Ça, je vous l'avais montré. Tout affaire est avec le vêtement. C'est-à-dire, c'est la tenue complète. Voilà, je crois que je vous avais tout montré. Et maintenant, je vous montrerai quand ce sera tout fini.
Ça fait 5 heures. À 14 heures, Olivier Véran va parler. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi. Mais c'est marrant, je vous assure, je ne sens pas le confinement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne le sens pas, et tant mieux. Mais peut-être que je me trompe, hein. Ivy, tu le sens, toi, le confinement? Hein? Ouais, tu le sens, toi? Bon, ben, elle le sent. Tu le sens? Oh, mon cœur, elle en a marre. Elle en a marre, elle déteste quand je range. Bon, ben voilà, à tout à l'heure. Je vous dis, c'est le grand ménage. Non, mais n'importe quoi, moi. En fait, là, j'ai nettoyé la fontaine de ma chouchoumette. Voilà. Voilà, du calcaire, faut que je mette du vinaigre. Bon, ben voilà, hein, sinon, il n'y a pas plus que ça. Ah là là, on arrive. Donc, c'est nickel. Hein. Vous avez vu dans l'état où c'était. Hein. Voilà, c'est nickel chrome. Nickel, nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Nickel, j'ai pas mangé encore. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et la place. Ça, c'est une place que je laisse toujours libre pour Ivy parce qu'elle adore. Elle, en fait, c'est chez elle. Hein. Je crois que c'est pas chez moi. Hein. Parce qu'elle adore dormir là. Voilà. Mais là, il y avait l'aspirateur. Donc, elle déteste l'aspirateur. Voilà. Ben, sur ce, je vous laisse tranquille avec Mini. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, te amo, bye bye. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Bye bye, ciao. Abonne-toi et active la cloche.